Ici, il y a une division très claire du travail. Analyser les réseaux sociaux, c'est Manon. Se moquer des réseaux sociaux, c'est Marie. Et oui, cette famille assigne TikTok en justice. Alors, cette famille, pas le jeu des cette famille. Hein, dans la famille de Breuer, je voudrais le père absent. Non, ça n'a rien à voir. Et TikTok, je parle de l'application qui me fait des vidéos à l'infini. Pas TikTok, la chanson de Kesha. Ah. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Oula, pas P. Diddy, pas P. Diddy. Non, oh là là, elle a mal vieilli, la chanson de Kesha. Alors, j'ai lu les articles là parce que je suis inscrite sur TikTok, moi, donc ça m'intéresse. L'application des jeunes qui est dangereuse pour les jeunes, qui rend addict les jeunes. Bah, déjà, trop contente de faire partie des jeunes, voilà. Parce que voilà, la 95 Generation, les gens nés en 95 pour les francophones, c'est pour nous l'année prochaine. Allez, les 30 ans. Mais moi, je scroll sur TikTok 3h et 48 minutes par jour, alors je suis vraiment très jeune, quoi. Très, très jeune. Pourquoi vous regardez mes ridules comme ça? Bref. Donc, moi aussi, je veux porter plainte contre TikTok. J'ai passé toute l'année 2021 avec dans la tête tu. Alors, et pour le procès verbal, ça s'écrit TUTUTUTULULULU. Voilà, c'était la musique d'une traîne que tout le monde a oubliée. Mais oui, attendez, il y a un gros problème avec l'algorithme. J'ai regardé une fois un mec soigner un sabot de vache malade et je dois regarder que des vidéos de mecs qui soignent des sabots de vache malade. J'en parlais avec un pote et lui, il a que des vidéos de chats qui vont chez l'ostéo. Bon, d'accord, on reste dans le domaine du vétérinaire, certes, mais pourquoi moi, j'ai des grosses vaches couvertes de merde et lui, un petit chat bourgeois qui boit du lait en levant sa petite griffe en l'air et en se faisant masser le dos dans un cabinet d'ostéo qui est mieux décoré que le cabinet de mon ostéo. Hein, pourquoi ? Et pourquoi moi, j'ai des vidéos de grosses vaches ? C'est grossophobe, TikTok. Voilà, peut-être que j'en fais une tonne. Et oui, c'est encore un jeu de mots grossophobe. C'est ma chronique. Je suis obsédée par TikTok. Tous les soirs, c'est la même chose. Après avoir joué à Woodnuts, c'est un jeu où il faut visser et dévisser des petites planches de bois. Voilà. Je me mets au lit. Oh, filez-moi un Nobel. Je me mets au lit avec mon chat Chiquita qui, lui, ne va pas chez l'ostéo parce que c'est un chat, en fait. Voilà. Et c'est parti pour une bonne heure de TikTok. Alors, scrollons ensemble. Mouh. Alors voilà, ça, c'est les vidéos de sabots de vache dont je vous parlais. Attendez, je passe un peu plus vite. Bah ça va, on a compris. Bon, vidéo suivante. Salut les filles. Alors, partie 7 de l'histoire de la maquilleuse de mon mariage qui m'a arnaqué et qui a croqué dans la pièce montée avant de danser à poil sur le bar à Ricard. Bon, alors ça, fallait suivre les 6 autres parties. Mais bon, en gros, elle a facturé 20 balles de plus. Toute une affaire. Sensible. Oh, une vanne pour les auditeurs de France Inter. Allez, vidéo suivante. Une femme, c'est comme une serrure. S'il y a plein de clés qui ouvrent la serrure, bah, c'est pas top. Parce que la clé, c'est ma bite. Mais les serrures, elles se font ouvrir par une clé. Ouh là là, c'est le TikTok mascu. Je sais pas pourquoi j'ai ça, moi, dans mon feed. Next. Ice cream so good. Popcorn, meow. Thank you for the rose. Ice cream so good. Elle, alors, je sais pas qui c'est. Mais je sais qu'elle est millionnaire. Comme quoi, il n'y a pas de son métier. Miaou. Ah, ça, j'adore. C'est des histoires d'amour entre chats avec des images créées en IA. Mais ces chats-là, ils vont pas à l'ostéo. Enfin bon, bref, là, vous vous dites, mais elle a complètement perdu la boulasse, la De Breuer. Et vous aurez raison. Bref, TikTok, faites quelque chose, voilà, par rapport à l'algorithme, avec la modération et tout. Moi, par exemple, je veux plus de chats et moins de vaches. Et les enfants de 14 ans, bah, peut-être mettez-leur que des vidéos de chats, tiens, voilà, c'est très bien. Miaou, 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 merci. Merci Marie De Breuer, merci de nous avoir rappelé l'existence des bars à Ricard. C'est ça aussi la France, Jérôme Fourquet, les bars à Ricard.